Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Angèle Tarot. Ça faisait quelques jours que je n'avais pas fait de tirage en ligne. Voilà, pour diverses raisons. D'abord parce que j'étais un petit peu fatiguée quand même, mine de rien. Et puis surtout, je crois qu'on a fait le tour un petit peu des actualités. Maintenant, nous savons exactement ce qu'il en est. Nous connaissons leurs plans, nous connaissons leurs objectifs. Donc, je ne me voyais pas, si vous voulez, tourner en boucle sur les mêmes sujets. Donc, c'est vraiment compliqué pour moi de trouver un thème autre que ceux déjà abordés, puisque c'est toujours en cours, en fait. Le fait de faire des tirages sur tirages sur tirages sur les mêmes thèmes peut, comment je pourrais dire ça, nous donner beaucoup trop d'informations, peut-être d'être dans la contradiction. Donc il me semble intéressant plutôt que de faire un tirage par jour sur l'actualité et sur souvent le même thème, de laisser justement le temps. Faire son œuvre et d'y revenir un peu plus tard. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais je suis sûre que si, parce que parce que vous me connaissez maintenant depuis le temps. Donc voilà, c'était aussi pour ça que j'avais pas voulu faire de tirage d'actu cette semaine, parce que voilà, tourner autour du même sujet en boucle. 6 jours sur 7, je n'en vois plus l'intérêt puisque voilà, comme je le dis, on sait exactement ce qu'ils veulent, on sait exactement qui ils sont. Bon, voilà. Donc bon, là j'ai dit quand même, on va donc du coup on est vendredi, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées cette semaine-là, notamment ce remaniement du gouvernement, donc hier. Donc ils ont pris la boule, ils ont mélangé, puis ils ont foutu des personnes, voilà, un secrétaire peut devenir ministre, enfin, etc., etc. J'ai un petit peu halluciné quand même. Donc la Marlène, elle a dégagé avec ses sous, évidemment, hein, puisque c'est un petit peu leur marque de fabrique, hein. On détourne de l'argent, on se fait pincer, et puis on est éjecté, mais on rend pas l'argent. Hein. Ben non, non, trop facile. Il y a toutes ces choses-là qui sont complètement... on n'y comprend plus rien, comme d'habitude. Hein. Les 100 jours, d'après le Nunu National, se sont bien passés. Ah bon, d'accord, ok. Donc on est reparti pour 100 jours, en fait, si je comprends bien. Il y a eu donc le ministre de l'Éducation qui a changé. Donc on n'a plus le comment dit l'obsédé du Kama Sutra, mais un autre pas mieux en fait, hein, qui lui préfère faire des réunions entre adultes, enfin bon bref. Au ministre de la Santé, on a ce fameux secrétaire général de la première ministre, hein, bon, qu'est-ce qu'il vient faire là celui-là? Ouais, d'accord. Donc moi je me suis dit, bah tiens, bon, après tout, puisqu'on n'a pas besoin d'avoir de diplôme ou d'expérience, j'ai bien envie de postuler moi aussi, hein, pour être ministre de quelque chose. Tiens, pourquoi pas ministre de la Justice, ou je ne sais pas, hein, puisque visiblement, on n'a pas besoin d'avoir de compétences ou de diplôme par rapport à ça. Hein. Voilà, bon, le porte-parole du gouvernement, il devient ministre de l'Éducation nationale. Bon, il n'a pas d'enfant, pourquoi pas, allez. Bref, voilà, c'est du grand, grand, grand n'importe quoi. Donc, on va quand même faire un petit tour d'actu. On va prendre la triade, parce que c'était le dernier dont je me suis servi, et il semble quand même assez dans l'énergie, on va dire, en ce moment par rapport à ça. On va aller voir ce qui se trame encore avec ce gouv. Et puis on va poser la question, hein, maintenant n'ayons plus peur par rapport à cette fin du goût, cette fin de Nunu, cette fin du pays, hein, parce qu'on y est, hein, de toute façon, hein, on y est. Là, on peut pas nier voilà, tout ce que l'on s'est dit, tout ce que l'on a partagé ces derniers mois à travers les cartes, à travers les messages, on est en plein dedans.
Donc là, on relâche un peu la pression. Je ne sais pas vous, mais moi, je ressens une espèce une forme de lassitude un petit peu. Voilà, on est lassé, c'est toujours la même chose. L'histoire se répète, etc., etc. En fait, ils essayent de nous épuiser, hein, mentalement, hein. Ça aussi, c'est leur petite marque de fabrique. Mais on va pas se laisser faire, hein, les amis. Hein. Bon, ben, on en profite pour se poser, on en profite pour se reposer, on en profite pour rêver. Hein, mais surtout, on ne lâche pas. Hein. On ne lâche pas parce qu'ils attendent que ça. Alors, cette petite forme de lassitude, ben, c'est normal. Hein. Puis en plus, voilà, avec les lunes qui sont là aussi. Donc, mais on peut leur faire croire qu'on est lassé. Hein. On peut jouer leur jeu aussi. Hein. On peut leur faire croire qu'on est lassé, qu'on baisse les bras, et puis au final, il faut qu'on travaille chacun de notre côté pour protéger, hein, je vous l'ai dit, hein, souvent on va protéger cette lumière que l'on a en nous, hein, quitte à ce qu'ils pensent que nous sommes en train de sombrer dans la noirceur, tant bien leur fasse, j'ai envie de dire, mais non, on ne lâchera pas. Alors, qu'est-ce qu'il en est de ces énergies? On va faire 5, on me dit 5. Bon, eh bien, on va faire 5. Les énergies du Gouv. Qu'est-ce qu'il en est? Alors, j'ai les cartes qui sont toutes à l'envers, mais on va les remettre à l'endroit. Vous y voyez, oui. Ouais, ok. Bah oui, hein, toujours pareil. Hein. Toujours pareil. Donc, pour l'instant, leur énergie, en tout cas, elle est bonne. Enfin, pour eux, hein, de leur côté, ils sont exactement, on va dire, dans les clauses de leur contrat. Ils suivent les clauses de leur contrat, d'accord, hein? Et on voit ici, il y a une élévation, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce que je disais tout à l'heure, un petit peu, ils font en sorte d'élever un petit peu cette notion d'instabilité, de lassitude, ils vont de plus en plus loin, en fait, ok? Ils vont de plus en plus loin. En tout cas, au milieu, il y a toujours cette, ici, recherche de richesse. Ils ont pas été encore au bout de leur rapt, hein, de leur vol, hein. Ils n'ont pas encore tout volé. Hein. Ils ont la bénédiction de leur grand Manitou, ok? Et pour l'instant, pour eux, c'est une réussite. En tout cas, ils sont dans l'illusion de la réussite. Je veux absolument que vous mettiez ça en tête. Ils sont dans l'illusion de la réussite. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression de réussir, mais ils ne réussiront pas. D'accord? Pour eux, ils suivent le plan à la lettre. Il y a quelques petits éléments qui font que de temps en temps, on sent bien qu'ils perdent pied. Okay? Mais leur grand Manitou les rattrape en leur disant... Allez, on continue, on continue, on continue. Eux, ça les rassure. Ils ont l'impression ils ont l'impression d'y arriver, en fait. Okay? Pour eux, ce qu'ils sont en train de faire, c'est bien. C'est exactement ce que leur grand chef leur a demandé. Donc, pour eux, ils se sentent bien. D'accord? Il y a toujours cette notion ici de richesse. D'accord? Qui sont. Bah, c'est un petit peu leur carotte, hein. Vous savez, les ânes, hein, on les fait avancer avec une carotte, ben, on les fait avancer avec quelques bifetons, là, et puis ils sont contents, hein. Alors, je crois que j'ai un problème encore de lumière, non? Ça saute, non? Oh, ça y est! Oh, j'espère que vous m'entendez. Bon. Bon. On va faire comme ça, hein. Allez, ça, c'est un petit peu les énergies aussi. Du gouvernement. Alors, est-ce qu'il va tenir ce gouvernement en deux cartes? Est-ce que le gouvernement va tenir en deux cartes? Non. Et non. Et pourquoi? Parce qu'ils vont faire une erreur. Et j'ai encore ce problème de lumière. Et ça m'agace. Alors, la lumière, je l'ai à l'intérieur de moi. Hein, vous inquiétez pas, les amis. Mais visiblement. Voilà. Ok, donc ils vont faire une erreur, les amis. Hein. Et ils vont pas tenir. Yes. Mais ça, on le savait, on le sait. C'est pour ça qu'on est aussi dans cette forme un peu de. Ce côté un petit peu lassitude, je suis lassé, c'est bon, maintenant, arrêtez vos bêtises. On sait exactement ce que vous voulez. Et on sait exactement que vous allez perdre. Vous êtes en train de perdre. Alors on a cette forme un petit peu de relâchement. Donc on va se relâcher, les amis, parce qu'ils ont perdu. Ils ont perdu.
Ils vont faire une erreur, ils vont commettre une erreur et tout leur plan va se casser la figure. Ok? Moi, je suis contente. Bah oui. Allez. Alors, pour nous maintenant, les énergies un petit peu de nous, du peuple, des résistants, hein? Les énergies des résistants, on va faire en 5, puisqu'on a fait en 5 là-haut. Les énergies du peuple, de celui hein, qui veut bah, sauver son pays, sauver sa vie, sauver sa famille, sauver ses racines, sauver ses valeurs. Mais c'est pas vrai, mais pourquoi j'ai un problème de... Je suis sûre que vous voyez hein, que j'ai un souci là. M'agace, hein. Ici c'est mieux, non, quand même. Oh, Angèle. Allez, il y a une forme d'équilibre qui va se recréer ici. Ok, ouais, belle communication. Ici, hein, on a face à leur rapt, à leur vol par rapport à notre argent. Il y a la colère, ça d'accord. On a ici le divin qui est là. Ok. Ah, il y a une sorte. Alors, le delta et l'isolement, j'aime bien le prendre comme quelque chose de protection. Je vais vous expliquer après. Donc ici, par rapport au peuple, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce partage, il y a cette recherche d'équilibre. Ok? Donc ça, c'est hyper. Ça m'agace, hein? C'est hyper intéressant. Ok? Donc là, on continue, les amis. On continue à cette recherche d'équilibre. On essaye de vraiment d'être tolérant envers chacun et chacune, en tout cas envers tous ceux et toutes celles qui se battent chaque jour. On est aussi dans cette énergie de communication avec l'eau, hein. L'eau, c'est la communication aussi, c'est un petit peu le commerce, mais c'est dans ce tirage-là, je vais le prendre comme de la communication. On a aussi cette fluidité qui commence à arriver. D'accord? La fluidité qui commence à arriver, c'est-à-dire que on commence à avoir l'esprit clair, tout simplement, hein, même si on ressent un petit peu ce relâchement, on sait, on le sait. Donc, dans notre esprit, c'est clair et net, d'accord? Il y a aussi cette notion de clarté, c'est-à-dire on arrive à trier toutes ces informations et on a appris, en fait, durant ces dernières années, avec tout ce dont on nous a balancé dans la tête, on apprend maintenant à vraiment à trier et à faire en sorte que les informations soient un peu plus claires, un peu plus fluides. D'accord? Donc ça, c'est très bien. Ici, juste en face, on a... Au milieu, on a la foudre hein, qui correspond ici avec ce que je disais tout à l'heure, ce vol, hein, le vol de nos richesses et pas seulement de l'argent, mais de tout, hein, de l'abondance. Ici, on a la corne d'abondance avec la nourriture à l'intérieur. Donc, tout ça nous met encore en colère. Hein. Donc, par rapport à ça, on est encore bien, si vous voulez, ciblé sur l'essentiel. Ok? C'est-à-dire que là, nous, on continue de se battre, on continue, oui, de se battre, hein, pour qu'on puisse retrouver cette corne d'abondance, cette richesse. Okay? Ici, c'est super intéressant parce que du coup, dans la même lignée de l'autre carte, on a la bénédiction d'un côté ici et on a le delta pour nous ici, on a le divin pour nous. Donc c'est hyper positif les amis. Et l'isolement et le delta, moi j'ai envie de dire, on est dans la protection du Seigneur. D'accord? En tout cas pour tous ceux qui sont croyants, eh bien, continuez vos prières parce que ça fonctionne. Ok? Super intéressant. Allez, les deux cartes pour... Nous le peuple. Donc l'avenir du gouvre, on a vu, ils font faire une erreur et ben, ça va être malheureux pour eux, hein, ça va leur tomber dessus. Et pour nous, donc l'avenir du peuple, s'il te plaît, la triade, eh ben, c'est magnifique pour l'instant, c'est magnifique. On va tourner le dos ici, on va tourner le dos au passé, ok? On va tourner le dos au passé, on va pouvoir la franchir cette porte, ok? Il y a vraiment deux notions là-dessus, hein, d'accord? On tourne le dos,
On va leur tourner le dos complètement. Donc ça veut dire qu'ici, même si c'est la carte de la pénitence, de la punition, on a quand même la porte à côté, la porte ici, hein, la porte, une nouvelle destinée, un nouveau départ, une nouvelle vision, hein, des choses ici, et on va complètement leur tourner le dos. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont se retrouver tout seuls. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsqu'ils vont faire cette erreur et qu'ils vont se retrouver dans le malheur, il n'y aura personne pour aller les aider. Ok? Il n'y aura personne, on va carrément leur tourner le dos. Tant pis pour eux. Super positif, je suis contente d'avoir attendu ces quelques jours pour faire ce tirage avec vous. Ok, allez, on va aller voir du côté de la guerrière de lumière et de l'officier, voir où est-ce qu'ils en sont. Alors aussi, ce petit moment de relâchement, je pense que c'est bien. Parce que là, on nous demande au final de vraiment de nous reposer. Ok, bah parce que pour continuer le combat, les amis, hein, à un moment donné, le repos du guerrier, hein, exactement. Hein. Allez, oracle des Médéors, deux cartes, une pour la guerrière de lumière et une pour l'officier. Où est-ce qu'ils en sont? Ont-ils un message à nous faire parvenir? On le verra avec les cartes bleues. Regardez, c'est magnifique, hein. Changement imminent. Oh, mais c'est pas possible cette lumière que j'ai aujourd'hui. Changement imminent. Ok? Magnifique. Ça arrive, hein? Moi, j'y crois toujours. Malgré la fatigue, malgré quelques autres questionnements, mais j'y crois toujours, hein? Allez, la guerrière de lumière et l'officier, où est-ce que vous en êtes? Ouais, ça arrive, les amis. Toujours, hein? L'officier, toujours avec son potentiel exacerbé, hein? Bon, il a encore un petit peu. Il a beaucoup, beaucoup d'énergie, hein, cet officier. Énormément d'énergie. Hein. Il attend, il arrive. Hein. Il prend, hein, il prend, puis il va arriver. Hein. Ici, avec la guerrière de lumière, on est ici. Elle est en train de créer ce lien entre elle et nous. C'est magnifique. Ok? Magnifique. Le lien est là. Hein. Et une réconciliation aussi avec peut-être les gens qui étaient sceptiques. Ok? Vous allez avoir des images, hein, bientôt. Hein. Regardez le ciel, mes amis, je vous en supplie. Hein. Moi, je vois, hein, dans le ciel, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Ouais, enfant intérieur, parce que j'étais en train de penser aux nuages, en fait. Et j'ai la carte d'enfant intérieur qui vient de sortir. Regardez dans les nuages, je vous assure que vous pouvez comprendre énormément de choses. Avec vos yeux d'enfant, vous allez pouvoir comprendre énormément de choses. Alors, un message pour nous de la guerrière de lumière et un message pour nous de l'officier. Réharmonisation générale. C'est pour ça qu'en ce moment, nous ne sommes pas trop en forme. Ok? Elle est en train de faire son travail. Je l'ai dit juste avant le tirage, que ce petit moment de relâchement, c'était aussi pour être. On baisse un peu les armes pour pouvoir recevoir. D'accord? Et pour être prêt pour la fin du combat. Voilà. Ici, alors, magnifique ces deux cartes. Hein. Donc, faites marcher votre mental. Hein. Faites marcher votre mental, faites marcher votre créativité, votre imagination. Regardez les nuages, les amis. Ça peut vous paraître complètement enfantin, mais je vous assure, regardez les nuages. Donc c'est génial. Un message des anges, on va faire la totale. Hein. On va faire la totale. Un message des anges. Et après, un message de Gaïa, bien sûr. C'est presque. Ouais, c'est presque. Bon, je vais parler toute seule, là. Non. C'est presque logique, cet état dans lequel on est en ce moment. Vraiment, moi, je ressens vraiment quelque chose de. Voilà, du relâchement, du laisser-aller, un petit peu de fatigue. Mais pour le coup, je ressens vachement plus les choses. Parce que je suis plus dans cette carapace-là. Et vous, je suis sûre que c'est pareil. Défaites un petit peu votre carapace et laissez venir les énergies, laissez venir l'énergie de la guerrière de lumière, ok? Alors, un message des anges. Eh bien, on va faire pour les deux, hein, de la guerrière par rapport à la guerrière.
et un message des anges par rapport à l'officier. Allez, la guerrière, progrès constant. Ben oui, regardez, réharmonisation générale, réconciliation. Donc on progresse, on y arrive. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Tout ce que l'on est en train de faire, tout ce que l'on est en train de penser, tout le travail qu'on fait et qu'on a fait et qu'on continue de faire, la guerrière de lumière les reçoit et elle vous en remercie à travers ses anges. L'officier, que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant aux désirs profonds de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. On parle de désir profond, on parle de cœur, et juste en dessous, j'ai la carte ici du mental, de la créativité, hein, du coronal, d'accord? Donc c'est très lié. Donc l'officier là nous envoie un message pour nous dire pensez, mais vraiment visualisez. Visualisez chaque petit détail de de votre désir, de ce que vous souhaitez réellement. D'accord? Ne faites pas juste que le souhaiter, réalisez-le dans votre conscience. Ok, dessinez ce projet dans votre tête, dessinez ce projet sur une feuille. Ok, matérialisez vos désirs par un dessin, par les écrits. L'officier s'occupera de faire le reste. Ok, allez, on fait Gaïa. J'ai dit qu'on faisait, on faisait tout, on faisait le ciel, la terre, les énergies. Gaïa, allez, guerrière de lumière et l'officier, est-ce que vous avez quelque chose à nous faire parvenir à travers Gaïa? Amour éternel, à chaque fois les amis, ceux qui me suivent et qui suivent les vidéos, à chaque fois que je parle en ce moment de Gaïa, de nous, de la guerrière de lumière ou de l'officier, j'ai la carte de l'amour éternel qui sort. Ok? Magnifique carte, hein? Je vais la mettre de côté. C'est un petit peu un message commun, hein, que nous recevons aujourd'hui. Allez, guerrière de lumière et officier s'il te plaît. Pourquoi j'ai ce problème de lumière aujourd'hui? J'ai l'impression que ça bug. Là. Ben pareil, régénération, renaissance, issue positive pour la guerrière de lumière à travers Gaïa. Gaïa et la guerrière de lumière sont en accord, travaillent ensemble et nous envoient ce message pour nous dire que le travail est en train de se faire, on est en train de réharmoniser. Tout à l'heure, quand j'ai tiré les cartes de la triade, pour nous, peuple et citoyens, j'ai tiré la carte de l'équité, de l'équilibre. On le retrouve ici, d'accord? Illusion, autocritique, distorsion. Ça a un rapport ici avec la première carte de l'oracle des Médéors, pardon, sur le potentiel exacerbé. Par rapport à l'officier, il y a encore... Voilà, il demande réellement que nos pensées soient plus claires et que nos désirs soient plus clairs, ok? Parce que lui, il le reçoit, mais de façon un petit peu floue encore pour l'instant. Donc, il faut qu'on soit un petit peu plus persuasif dans nos désirs. Il faut vraiment qu'on aille dans l'exagération. Mais vraiment, c'est ce qu'il demande. Soyons vraiment fous, ok? Dans nos pensées. Je rêve d'un monde où la paix règne, où les champs de blé et les champs de maïs sont immenses. Vraiment, allez dans l'exagération. Faites des choses et gardez votre côté enfantin. Pensez à des choses que... Ouais, qu'un enfant pourrait penser. Je rêve de ces rivières...
parcourant le monde avec rempli de poissons aux couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà, je rêve que les petits oiseaux viennent me manger dans les mains chaque jour à mon réveil. Mais vraiment, mais imaginez créer. Voilà, c'est vraiment ce qu'il demande. J'insiste là-dessus. Ok, mes amis. J'insiste. Il me fait insister là-dessus, hein, l'officier. Il est pas très. Il est un peu. Hein, un peu comme ça, quand même. Ben, c'est un officier. Je vous embrasse très très fort. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous accompagnera tout au long de votre week-end. Moi, je n'ai pas de jour de repos là. Je travaille donc ce soir. Je travaille demain samedi. Dimanche, je serai en repos et toute la semaine prochaine aussi. Donc voilà, je ne sais pas comment je vais m'organiser pour les tirages. Je ne sais pas si les énergies autour seront favorables à ce que je fasse des tirages ou est-ce qu'on me demandera, comme ça a été le cas cette semaine, d'attendre un petit peu que les énergies se posent et qu'elles se renouvellent. On verra, d'accord? Dans l'attente, je vous embrasse très très fort. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Je vous l'ai déjà dit, je crois, mais je vous le redis. Non, je sais pas ce que je dis aujourd'hui. Prenez soin de vous. De vos amis, de votre famille, de vos enfants, de vos petits-enfants, de vos voisins, de vos fleurs, de vos plantes, de vos animaux, de votre potager. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao.